Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle série Let's Talk Crypto. On va parler du patron Bitcoin, savoir où on se trouve, parce que malgré tout, c'est toujours lui qui mène la danse sur le marché des cryptos. On va regarder où on est en monthly. Ensuite, on descendra dans les unités de temps weekly, daily, etc. Donc en monthly, sur le Bitcoin, on se trouve où? Donc là, on est là, vous voyez que j'ai tracé un Fibonacci depuis le bas de ce mouvement, donc de mars 2020 jusqu'en novembre, d'accord? En monthly, ce qu'on peut voir ici, c'est évident. Hop, si on trace vite fait ça comme ça, voilà, on voit qu'on est en tendance haussière, ok? On a des sommets qui sont de plus en plus hauts et des creux qui sont de plus en plus hauts, ok? Ça peut des fois rassurer et dédramatiser la situation de se mettre en monthly. Ensuite, on vient passer donc en weekly. Et en weekly, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit qu'on est sur une zone technique. Ok, une zone technique qui a été utilisée plusieurs fois. Hein, d'accord, on le voit ici une fois. Là, elle a servi de résistance. Là aussi un petit peu. Ensuite, là, elle a servi de support. De support pour le bas de cette grosse mèche toute vilaine. Et là, on revient se servir de ce support. Ok. Et en daily, on voit qu'on est en train de consolider pardon, sur ce support. Donc on a eu des mèches de liquidation qui sont venues gratter, mais on a toujours réintégré pour l'instant et on n'a pas lâché ce support qui a été utilisé. Donc on a vu plusieurs fois sur le graphique weekly. On va faire un tour sur le Nasdaq, car on peut dire que Bitcoin est totalement corrélé à ce que fait le Nasdaq et donc de surcroît par l'ensemble du marché des cryptos. Donc le Nasdaq, il est là. Qu'est-ce qu'il nous fait lui actuellement? Donc là, on est en daily. Donc on voit qu'on a une. Donc j'avais tracé un des niveaux de résistance et de support sur le Nasdaq. On voit qu'on a eu une très grosse mèche hier qui est venue quasiment perfecte, hein, toucher ce niveau de support. D'accord, qu'il l'a même. Ensuite, on est venu la traverser aujourd'hui et là, on est en train de remonter. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant sur le Nasdaq? Donc là, ça, j'avais tracé ça, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai supprimé parce que je vais le refaire. Voilà. Moi, ce qui me semblerait plutôt bon, je ne crois pas vraiment à direct qu'on remonte comme ça. Peut-être un retour sur le support pour ensuite, hop, faire quelque chose de comme ça et venir remonter et regagner cette zone. Et après, on partira peut-être vers de plus haut sommet, on ne sait pas. Mais revenir consolider, refaire un retest de ce support pour repartir, ça me semblerait pas trop mal, ce qui permettrait à refaire du vert sur l'ensemble du marché des cryptos. On va revenir maintenant sur notre Bitcoin. Donc Bitcoin, voilà, sur un graphique un peu plus étayé que j'avais fait, où on peut voir, voilà, j'avais dessiné un range dans lequel on est actuellement sur le Bitcoin, donc on est en daily, hein. Donc j'avais dessiné un range qui oscille approximativement entre 44 500 et 40 800 à peu près. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce range? J'ai également tracé un Fibo, d'accord, depuis le bas de cette mèche jusqu'au ici en haut. On voit qu'on se trouve à peu près sur les 0,5, ok, ça fait plusieurs mèches qu'on fait sur les 61,8, hein, d'accord, mais on revient toujours clôturer au-dessus des 0,5, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on ne veut pas lâcher cette zone, d'accord, mais pour moi, la zone à vraiment pas perdre, d'accord, c'est ici, le bas du range. On peut venir mécher dessus, comme là on l'a fait par exemple, mais il faut revenir clôturer au-dessus de ce bas du range, d'accord, pour pouvoir être un peu plus serein sur la suite. En tout cas, pour moi, en tout cas, rien d'inquiétant pour l'instant, hein, tant qu'on conserve ce bas du range. Même quelque chose un petit peu comme ça me dérangerait pas, c'est-à-dire venir un peu, peut-être pourquoi pas tester le bas du range, histoire de faire peur un petit peu à tout le monde, et ensuite revenir consolider, retrouver le milieu du range que j'ai tracé ici, hein, donc le milieu de ce rectangle, puis ensuite, pourquoi pas, hop, revenir se servir de support sur le milieu de range et hausser, d'accord. C'est un graphique qui est en daily, donc ça peut être quelque chose qui peut mettre du temps à se mettre en place, d'accord. En tout cas, pour l'instant, pour moi, pas de grosse position, hein. Le plus intelligent, c'est d'effectuer du trading de range, hein, c'est-à-dire repérer quand le Bitcoin va venir se trouver dans ce genre de niveau là, bas de range, essayer
de choper une entrée par là, pourquoi pas essayer ensuite de choper le milieu du range, d'accord? Et ensuite, si on voit qu'on consolide sur le milieu du range, pourquoi pas essayer, voilà, de venir choper le haut du range, d'accord? Avec un stop pas trop serré, d'accord? Histoire de pas se faire avoir par ce genre de mèche de liquidation. Mais ça peut être en tout cas une idée intéressante à voir ce que vont faire l'ouverture des marchés US. Encore une fois, si on revient sur le Nasdaq, à voir ce qu'il va faire, d'accord? S'il va continuer sa propulsion ou si on revient sur un retest, ce qui impacterait directement Bitcoin. Concernant les alts, j'observe moi en ce moment, j'aime bien le Solana, il est là, d'accord. J'aime bien le Solana, on peut se mettre en monthly. Voilà. Si on se met en monthly, donc on a ce très beau ou pas beau graphique, hein, ça dépend comment on le voit. En tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est que donc après cette grosse montée, on voit que sur le Fibo monthly que j'ai tracé depuis le tout début du coin, hein, on est en train de travailler la zone des 0,5 monthly, d'accord, à 131$. Une zone qui est quand même très importante. Encore une fois, on est en monthly. Je vous rappelle que plus les unités de temps sont grandes, plus les facteurs sont importants. Si je me remets en daily, voilà, on voit qu'on est ici. Donc là, actuellement, on a du mal un petit peu à s'extirper de cette zone. Mon biais serait pas mal de venir se reposer ici. Et là, on aurait peut-être une entrée qui pourrait se dessiner sur les 131$ avec un stop, encore une fois, pas trop serré non plus. Et espérer venir chercher cette prochaine résistance, d'accord? Peut-être comme ça. Ah, la résistance que j'estime à 153$ environ. En tout cas, ça dessinerait un super point d'entrée ici. A voir si ça va se mettre en place, hein, parce que bien sûr, on est sûr de rien. Donc à voir ce que la journée nous réserve avec l'ouverture du marché US. C'est déjà le temps pour moi de vous laisser. Comme d'habitude, je vous encourage à me faire remonter vos remarques et questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le prochain épisode de Let's Talk Crypto, je vous laisse écrire en commentaire si vous souhaitez que j'analyse un coin en particulier. C'est ce qui m'évitera de vous en proposer un aléatoirement, enfin du moins un qui me plaît à moi. N'oubliez pas également le lien Discord dans la description de la vidéo. Si vous voulez rejoindre mon groupe et pouvoir discuter et échanger avec des personnes passionnées et soucieuses d'apprendre, venez nous rejoindre gratuitement, quel que soit votre niveau de trading. Partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Actionnez les pouces bleus, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. C'était Mathieu, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bon courage.